Avec Hachem, merci Hachem. On va voir un petit condensé, un petit extrait des enseignements que dans la Torah de Rabbi Nachman, qui nous expliquait comment guérir le malade, le fou, qui est à l'intérieur de chacun d'entre nous. Dans la Torah, il nous dit Rabbi Nachman, il nous ramène la Masechet Sota qui nous dit que chaque homme, chaque juif, chaque homme, qui faute ne faute que parce qu'un vent de folie il est rentré à l'intérieur de lui. Et qu'un fauteur, c'est un fou furieux. Il est malade. Et il ne sait pas qu'il est malade. Il est fou, mais il ne sait pas qu'il est fou. Et après, il dit, mais comment il en est arrivé là? Comment il en est arrivé à aller complètement à l'opposé de son bonheur, complètement à l'opposé de sa nature? Et c'est parce qu'en réalité, au début, le Yetzirah, il apparaît à l'homme comme des mitzvot. Il se fait passer pour une chavruta ou le rabbin du quartier. Et il va te faire croire que de faire des réprimandes à ta femme, c'est une grande mitzvah au nom de la Torah. De rester dormir dans le lit parce que tu t'es couché très tard pour étudier la Torah et que maintenant il y a l'heure du Kriyat Shema. C'est dommage, tu vas servir Hachem après toute la journée fatigué, dors encore un peu, rate l'écriture du Kriyat Shema, c'est pas grave. Ou bien, il va te dire, ah, pourquoi tu étudies la Torah, c'est pas important, on fait d'autres mitzvot, alors que la Torah, c'est l'essentiel d'étudier la Torah, c'est l'essentiel qui comprend toutes les mitzvot. Pourquoi tu as préservé tes yeux? Les yeux, ça va, t'as des yeux, c'est pour voir. Fais Shabbat, fais Kashrout. Et les yeux, c'est pour les Bar Mirim, c'est pour les Chassidim. Ouais. Alors qu'en réalité, c'est marqué que toute la Torah tient sur les yeux. Et le Yetzara, il commence à nous attraper en nous faisant croire qu'il va nous mettre dans des mitzvot. Et petit à petit, il nous rentre des Averot. Il nous traîne dans des Averot. Comme c'est marqué, Mitzvah Baba Avera, une mitzvah qui vient par une Avera. Et les Averot, elles nous rendent fous. Les Averot, elles nous font oublier Akadosh Baruch Hu. Elles nous font oublier le bonheur de la Torah, le bonheur de notre Neshama, la douceur de notre Neshama, la pureté de notre Neshama. Jusqu'à ce qu'après, à un moment, la personne, elle sait plus du tout où est-ce qu'il y a le bonheur. Elle n'arrive plus à voir la lumière qui est en lui. Alors, comment tu vas corriger ça? Ah, tu veux corriger ça? Il faut te mettre à étudier la Torah avec force. Il faut te mettre à étudier la Torah. Et la Torah, il nous dit, grâce à l'histoire de Rabba Bar Chana, qu'elle est comme un bâton qui vient donner des coups. Un bâton qui est rempli de non-saints d'Akadosh Baruch Hu, parce que la Torah, elle était donnée sous la forme des tables de la loi. Les tables de la loi faisaient 6 coudées sur 6 coudées. 6, c'est la lettre Vav. Vav, c'est la forme d'un bâton. La lettre Vav, elle ressemble à un bâton. Et toute la Torah coule à ces que des non-saints d'Akadosh Baruch Hu. Et plus tu vas étudier la Torah, plus tu vas frapper comme avec un bâton le Yetzirah de non-saint d'Akadosh Baruch Hu pour purifier ces mensonges qui t'a rentré à l'intérieur de lui. Que d'aller à la plage, c'est le top du top. Que d'avoir Internet qui n'est pas contrôlé, c'est top. Que gagner l'argent, peu importe, c'est le moment qu'il y a de l'argent dans le compte en banque. Faut nourrir la famille, c'est une mitzvah. Ah, ça va si je vole des goyim, puis bon, l'autre, c'est pas vraiment un juif, tu vois, c'est un juif. Voilà. C'est pas une mitzvah que t'es en train de faire. Tu donnerais ta femme, tu donnerais ta femme cachère, proprement, comme il faut. Alors, comment tu vas corriger, comment tu vas clarifier tout cet embrouillement qui est à l'intérieur de toi en étudiant la Torah, bekoach, en étudiant la Torah avec force. Et après, il dit comme ça, si maintenant une personne, c'est qui la personne qui est heureuse dans sa vie? C'est qui la personne que Béhémeth va être heureuse dans sa vie? Ashrei, pour être heureux dans ta vie, il faut réussir à avoir Hachem partout. Il faut réussir à avoir Hachem partout. Mais Hachem qui t'aime, dans tout ce qui t'arrive, Hachem il t'aime. Dans tout ce qui t'arrive, de réussir à voir qu'Hachem il t'aime, qu'il veut te rapprocher de lui, les bras grands ouverts, et pas avec une matraque. Viens, 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 viens. C'est pas comme ça, Hachem. Hachem dit, viens, viens dans mes bras, ça fait longtemps que je t'ai pas senti. Viens, rapproche-toi encore. Et tu crois que tu es proche de moi, tu crois que tu m'as goûté, tu n'as rien goûté encore de combien je t'aime. Chaque instant de la vie, nous dira Rabbi Nachman, c'est que ça, mais on n'a pas les yeux pour voir. C'est qui celui qui est heureux, Ashrei, heureux? C'est celui qui est Ashrei, qui arrive à voir le Sechel qu'il y a dans chaque chose.
l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose. Il veut dire, pour voir l'intellect divin qu'il y a dans chaque chose, pour voir cet amour d'Hachem qu'il y a dans chaque événement de ta vie, que tu n'arrives pas à voir, qui va te rendre heureux, que tu vas danser constamment comme le Tam HaKadosh, il faut être Betfim et Darer. Il faut travailler sa Emouna, il faut travailler son humilité, il faut travailler sa crainte du ciel. Mais ce n'est pas suffisant, il dit Rabbi Nachman. Une fois que tu as travaillé ta Emouna, ta crainte du ciel, ton humilité, ta Tfila, maintenant il faut étudier la Torah avec force. Parce que lorsque tu vas étudier la Torah avec force, ça va faire grandir ta Emouna, ta Yirat Shamaim, ta crainte, ta foi. Et maintenant, ta crainte et ta foi vont devenir un réceptacle pour pouvoir recevoir la lumière qui se cache dans chacune des parcelles de ta vie. La lumière divine, le message divin qui se cache dans chacune des parcelles de ta vie. Parce que Hachem, c'est infini. L'intellect divin, il est infini. Si tu devais voir Hachem, si Hachem il devait s'ouvrir à toi, comme ça, tu exploses, tu ne peux pas le recevoir. Il faut des ustensiles. C'est quoi les ustensiles? C'est ta Emouna, c'est ta crainte du ciel, c'est ton humilité. Lorsqu'elles sont affermies et grandies, par l'étude de la Torah avec force. Et ça donne les capacités d'avoir les lunettes pour voir Akadosh Baruch Hu dans tout ce qui se passe dans sa vie. Et de pouvoir avancer chaque pas avec le sourire dans la Torah d'Hachem. Parce que je sais que chaque pas, ça me rapproche de mon Père qui m'aime, de mon Père qui me veut que du bien, qui va me donner le maximum de bien qu'on peut donner à son Fils. Azirasom et Hachem, qu'on puisse être Bessimcha Tamid dans cette connaissance-là, en étant rempli de Emouna, de Yirat Shamaim, de Tfila, en étudiant la Torah avec force pour connaître Hachem et voir combien Kadosh Baruch Hu, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien, pour nous rapprocher de lui, pour nous épanouir et faire briller la lumière qui est à l'intérieur de nous. Chazak, Benit, Chazek.